Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui on revient encore, enfin je reviens encore avec une vidéo cheveux. J'ai vu, j'ai reçu une perruque de chez Genius Wig. Encore une fois, une crystal lace. Comment vous dire que cette perruque c'est vraiment la vie? Genre regarde, la lace elle est déjà customisée, tout. Regardez, les nez sont décolorés s'il vous plaît. Donc du coup c'est une perruque de 22 pouces, une 13x6. Donc comme d'habitude les accessoires. Ensuite un petit mot de remerciement, voilà. Bonnet comme d'hab en dessous de la perruque, en l'occurrence là il y en a deux. La brosse à bébière qui nous suit partout depuis le début. Une pince qui pourrait être très très pratique pour attacher les cheveux. Et enfin un élastique pour pouvoir bien serrer la perruque. Ensuite on va comparer la transparente lace et la crystal lace comme d'hab. Vous voyez que la crystal lace c'est gras et la transparente. Là j'ai fait un semblant de coller, on voit très très bien. Ensuite pour que vous puissiez mieux apercevoir la perruque, mise sur ma petite tête de mannequin. Et regardez s'il vous plaît la lace, comment c'est un délire genre. Du coup j'ai pris mon peigne chauffant et je suis venue plaquer tous les cheveux qu'il y avait devant. Regardez comment c'est déjà customisé, j'ai même pas besoin de retoucher. Je l'ai reçu, je crois que c'est la quatrième perruque que je reçois en crystal lace. Et je ne les customise pas après. Genre c'est... Du coup, je vais venir la poser sur moi directement, faire une petite coiffure et tout, vous voyez déjà. En ce moment, je sais pas pourquoi j'aime trop les demi-têtes. Mais bref, aujourd'hui, on va se faire une demi-tête avec des grosses baby hair comme j'aime. Si vous aimez pas... Laissez. Bien appliquer le peu de mousse coiffante qui me reste sur tout le devant pour bien plaquer, comme vous pouvez voir. Non pas pour bien plaquer, vous passez un petit coup de sèche-cheveux, ça sera magique. Et pour le coup, je l'ai pas fait, donc bref, là, j'attache ma demi-queue, ma demi-tête. Là, je viens couper les baby hair, tac. Bref, ils sont vraiment longs et je les ai vraiment laissés longs pour le coup. Ensuite, je viens prendre le petit lisseur pour les cheveux courts et je viens boucler mes baby hair. Pour faire en sorte qu'ils aient déjà la forme genre du baby hair, comme ça sera plus facile pour moi d'avoir la forme du baby hair. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Franchement, les baby hair, elles sont vraiment, vraiment balèzes et j'aime trop. Genre, je sais pas, j'aime trop les gars, je sais pas, j'ai quoi. Faut que je commence à doser. Genre, ils sont, non seulement il y en a beaucoup, mais en plus, ils sont grave épais. Bref, donc là, je viens, bah, du coup, plaquer mes baby hair. Le maquillage de près comme ça, c'est horrible. Mais bref, comme vous voyez, c'est plus facile. Regardez, il y a déjà la forme du baby hair. Je sais pas si vous captez. Vous voyez ou pas? Je crois vraiment que je suis repassée dessus 1000 fois et encore j'ai coupé des rushs, hein. C'était vraiment trop. Franchement, j'aime vraiment trop. Genre, je suis trop belle déjà, donc... Donc voilà, j'ai terminé la coiffure. Dites-moi ce que vous en pensez. En sachant aussi que, là, vous la voyez comme ça, mais vous pouvez aussi la boucler. Genre, attendez, regardez. Je suis un petit peu obligée de vous montrer quand même. Mais j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc... Donc voilà, vous voyez que ça fait boucler. Donc imaginez sur toute la tête. Genre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Je mets ça derrière parce que voilà. Et bon, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous.